Nous pourrons rentrer dans la parole de Dieu. M'a invité à ouvrir des bois avec nous dans le livre de Philippiens. N'appli au chapitre 2, seulement deux versets, versets 12 et 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Pendant que je cherchais, ma bon petit temps, sous la Bible, sous pas la Bible, je vais lire pour vous, mais il est toujours bon, l'on vient dans la rencontre ça, pour gagner un bibou dans la main ou une façon pour ou pas perdre rien dans sa cabaye là. Ouais, parce que là c'est manger cap séparé et sous ces monde qui est intelligent ou pas veut perdre une virgule parce que c'est gain droit c'est à partir d'une parole ou même ou lit. C'est pas l'entendre, c'est le lire. Bon Dieu, ouvre cœur son bagage. Bon Dieu, fouille son bagage. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, m'appelez pour vous dans version 8 secondes, m'appelez vite au suivant avec moi sous Pagayen Bible. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Parole bon Dieu et peuple bon Dieu a tapant dédié à Amen. Gloire à Dieu. Assoyez bien-aimés, le Seigneur mettait sous que moi pour moi parler de l'obéissance. Et en particulier, nous pourrons rentrer en détail dans un texte qui fait partie de texte qui un texte qui est important dans le Nouveau Testament. Mais c'est un texte où moun pi mal comprendre. Et texte là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux chrétiens de Philippe pour l'encourager. Et l'on appelé chapitre 2, côté nous soutenir deux versets, ça y est, versets 12 et 13. Chapitre 2, on a divisé en réalité en trois parties. Dans la première partie, l'apôtre Paul a rappelé aux chrétiens philippiens qui qualité sacrifice que le Seigneur Jésus t'a fait, les descendent dans toute l'humilité pour venir accomplir l'œuvre du salut. L'on appelle Philippiens chapitre 2, où vient gagner un sens profond du mystère de la croix, comment le Seigneur lui a abandonné la gloire, lui prend forme un serviteur, lui baille une façon pour le sauver l'humanité, pour le sauver moi-même avec. Ça, c'est première partie, chapitre 2. L'heure qu'on y a là, où entrer à partir de verset 12 là, l'apôtre Paul pourra parler nous de l'obéissance. En d'autres termes, l'a parler de réponse nous-mêmes nous devons bailler à qualité œuvre ça que le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli. C'est ça que fait l'entrée dans verset 12 là. Premier mot ou joignant, c'est une conséquence l'a tirée de ça le dit. Premier mot, c'est ainsi. Ainsi, mes bien-aimés. Donc, l'elfine étalée, toute ça l'elfine étalée, l'apôtre Paul pourra interpeller chrétien Philippe pour le dire. Par conséquent, après tout ça, fin dit nous, mais ça pour nous comprendre, mais ça m'a pas tant de nous, mais qui qualité réaction nous devons gagner par rapport à sa crise fait à la croix. Ainsi, mes bien-aimés, et ça, c'est un aspect qui est très important parce que sont entrés dans le texte là avec ainsi. Il pas dit ça t'a passé avant. C'est ça qui fait sous ces monde qui est intelligent, premier réflexe soit gagner c'est à regarder Piro qui ça l'apôtre dans t'a dit, qui ça le Saint-Esprit te mettait sous cœur lui pour le partager avec bien-aimé. Et c'est leçon pour le comprendre toute qualité, importance, toute profondeur. Ainsi. Donc premier aspect ça est important, conséquence non. Réponse nous par rapport à sa crise faite, c'est l'obéissance. Et c'est ça l'apôtre Paul Pral dit depuis dans verset 12 ans, il dit ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Ça, dans le texte, ça, il y a une bagaille qui toujours frappé, à chaque fois que j'ai une chance revisiter lui. Ça qui toujours frappé mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le fait que, soit le texte, ça, il y a deux petits mots qui sont plus importants que gros mots qu'il la donne. Timoyo, des fois, c'est yo qui fait sens texte là. Je nous connais là,
texte original là, il n'est pas écrit en français, il n'est pas écrit en créole ni en anglais. Texte original là, c'est en grec, il était écrit. Et le monde qui connaît a traduit, yo traduit pour lire le plus près possible de texte original. Ça veut dire yo chercher moyen pour yo traduire pensée auteur, mais pour yo rester le plus fidèle possible à sa langue originale là t'a dit. Et des fois pour yo rester fidèle comme ça, yo obligé utiliser deux petits mots petits dans langue pas nous, dans français ou bien en anglais, peut-être qui pas gagné dans grec là, mais c'est même l'idée un petit mot ça yo traduit. Yon nan mo sa yo se ainsi, nou konnen nan gramè, ainsi li make konsekans. Nan deuxième mot, m ta remè ti atansyon sou li, se kom vous avez toujours obéi. En d'autre terme, kom se yon bagay ki make yon comparaison. Kom se yon ti mot ki di, men sa ki abitue fait, pren sa kom model. L'apôtre Paul la ap encourager chrétien Philippe yo pou di yo, par le passé, nous c'est monde qui gain renommé comme monde qui est habitué obéir la parole de Dieu. Son mot d'encouragement, pas vrai. L'a exhorté yo à l'obéissance, mais pendant l'a exhorté yo à l'obéissance, l'a dit yo, m'pas exhorté nous parce que m'connais nous pas monde qui obéit, m'a exhorté nous justement pour nous continuer dans l'obéissance. Comme vous avez toujours obéi, et nous pral troisième proposition, ça le prêle dit, mais l'important pour nous insister, l'Europe exhorter, exhortation, il n'y a pas toujours, vous l'avez dit, mon il n'y a pas de fin qui bon du tout, qu'on y aura le mettre dans le droit chemin, c'est pas ça exhortation, vous l'avez dit. Il y a deux fois, effectivement, on a exhorté au monde qui était sur le mauvais chemin pour mettre sur le bon chemin avec amour. Mais des fois, exhortation, c'est ramener mon à continuer sur la bonne voie que l'IA. A. C'est ça que fait la plupart du temps pour nous et dans à HMBC. Par contre, on a bien l'impression exhortation par nous, yo, c'est exhortation pour nous continuer sur voie nous l'IA. C'est exhortation pour encourager nous à aller plus loin. Ça veut dire nous déjà sur la bonne voie. Nous c'est monde qui remet le Seigneur. Nous c'est monde qui dans la persévérance. Nous c'est monde bagay monde ça pas intimider nous. Nous t'es capable dire même avec l'apôtre Paul, oui, nous savons en qui nous avons cru. J'ai l'impression si l'apôtre Paul t'a écrit nous à l'église HMBC, il t'a qu'à utiliser même parole ça yo comme vous avez toujours obéi. Mais oui, j'ai l'impression ça parce que exhortation hein, des fois c'est encouragement pour mon aller plus loin. Et encore une fois, ça est important pour nous souligner comme vous avez toujours obéi. Donc, Jean nous t'ai qu'on obéi par le passé, Jean nous t'ai engagé nous sur le bon chemin, Jean nous t'ai mettez nous disponible pour le Seigneur utiliser nous. Jean a fait suivre Christ, c'est pour un bagage qui motivé par de gain mesquin. Jean nous t'ai toujours obéi. Et puis il pourra ajouter, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bon, moi, je lis toute phrase encore. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On nous fait camper là. Il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ça veut dire, travaillez à votre salut, hein? Peu importe ça veut dire, hein? C'est un acte d'obéissance lié. Travailler à votre salut, c'est un acte d'obéissance lié. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Nous pouvons même rentrer pour nous voir qui ça veut dire travailler à votre salut. Mais déjà nous comprendre, c'est un acte d'obéissance. En d'autres termes, si travailler à votre salut, c'est un acte d'obéissance, il y a un monde qui pas travaille à salut lui, il est pas dans l'obéissance. Comme les chrétiens de Philippe. Très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme non, le petit mot comme, il fait une comparaison, une équivalence. Jean nous te qu'on obéit, travaille à salut nous. Ça veut dire, c'est même bagaille. Travaille saluant,
c'est un acte d'obéissance. Maintenant, et c'est là plus gros problème dans hier, on lit un verset comme ça. Travaillez à votre salut. Beaucoup va rentrer dans avec crainte et tremblement. En nous camper sous travailler à votre salut. Ou dit pasteur, songe l'homme t'es jeune converti, ou nan bagay prédicateur yo prend le soin pour yo expliquer bien. C'est que le salut, c'est par la grâce ou recevoir ça. Ou pas travail pour sauver, pour mériter salut. Pasteur, mon petit problème, parce que mes textes là dit là travailler à votre salut. Aidez me comprendre. Eh bien, bien qu'on t'en pose des questions, parce qu'on c'est monde qui est intelligent. Ou songe m'd'a parlé de Timo qui gagne un texte, des fois Timo yo important. Eh bien, mon troisième Timo ou gagne un texte ça, c'est préposition à. Travailler à votre salut. Sou te gagne un Bible nan men, m'd'a même mando souligner à grand trait, travailler à votre salut. Texte l'an pas dit travailler pour votre salut. Texte l'an dit travailler à votre salut. Très très important mes bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, pas gen moun ki ka travaille pour salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit, un don de Dieu, c'est un cadeau bon Dieu fait l'humanité. Bon Dieu sauver l'humanité, son cadeau lié. Personne pa ka travaille pour sauver. Ça a me pensé li clair déjà dans tête nous toutes, mes bien-aimés, qui chita dans la parole de Dieu. Texte là, l'a dit travailler à votre salut. Qui ça ça veut dire si c'est pas travailler pour votre salut? Eh bien, travailler à votre salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est exercer cadeau ça. Bon Dieu baou, hein? Don du salut. Le salut c'est un don de Dieu. C'est mettre saluant à l'œuvre. Bon, me dit encore. Travailler à votre salut, c'est mettre saluant en œuvre. Et c'est exactement en traduction ça nous joigne dans second 21. Alors, je connais non, Louis second c'est Bible qui pi ancien. Nous même surtout dans Bible français que nous utilisons depuis Haïti, depuis ces monde qui était converti sûrement plus que 90% dans nous qui souligne dans là nous te qu'on utiliser lui livre Bible Louis II en pile. Louis II c'est une traduction qui plus populaire en Haïti depuis dans le temps jusqu'à présent. Traduction Louis II mais bien aimé dans le Seigneur, il était faite en 1910. Louis II vient faire une autre traduction de texte grec là avec texte hébreu. Encore une fois son petit parenthèse où qu'on est biblan, il gagne et pour pipiti trois langues là-dedans. Il gagne hébreu qui c'est majorité texte Ancien Testament, il gagne araméen et puis il gagne grec qui c'est majorité Nouveau Testament. Trois langues ça yo c'est qui fait essentiel bible. Hébreu, araméen et puis grec. Louis II, en 1910, il était font traduction de texte ça qui fait nous te gagner Bible nous connaît. Li vinn font l'autre traduction, c'est li orelé second 21. Second 21. Pour qui ça yo font l'autre traduction, yo vinn rendre compte que bon traduction qui pi proche de texte original là. Et c'est ça qui fait loi pli, li bon sou gagner plusieurs versions pour faire ti comparaison entre version texte. Ça et le comprendre mieux parce que gon texte qui mettait l'idée plus bien que yon l'autre texte. Dans dernière traduction lui second fait, on va lire pour vous mais ça mais comment lit texte ça? C'est toujours Philippiens 2 verset 12, ainsi mes bien-aimés, ça c'est second 21. Ainsi mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent mais bien encore, maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut. Moi, mes traductions ça. Nous passer de première traduction qui te dit travailler à votre salut à traduction qui pi nouvelle là qui dit mettez en œuvre votre salut. Bon, m'expliquer nous concrètement ça veut dire.
Nous tous d'accord, le salut c'est un don de Dieu, son cadeau. Lorsque nous recevons un cadeau précieux, premier bagage, moun ki bo cadeau, il a besoin assurer le qu'on comprendre, il a besoin assurer le qu'on comprendre valeur ça le ba ou. Par contre, sou qu'on fait ça ou même, lors ba yon moun un cadeau, bagage en li gen valeur pour ou, soit li couteau en pile. Ou besoin assurer que moun nan apprécier cadeau an à sa juste valeur. Parce que sinon moun nan doit prendre cadeau, il pas fait cadeau li, il met le dans boîte, il voye l'on côté. Ou besoin assurer que moun nan connaît qui qualité cadeau nan men la. Ou pas ballon bagay vaille que vaille. Donc le moun nan recevoir cadeau an gen deux possibilités. Soit li montre que le content, li remet cadeau an et puis le rive la kali. Li voye kadwa sou tèt on bufèt, li mete l nan coin, li pa janm wè kadwa anko. Kadwa pa sou zye, li pa itilize l. Kadwa pa a lèv, kadwa pa prezan nan la vil. Li pa wè kadwa. Son lè peut-être 2 ans après la petite, oh gade bay sa et puis poussière fin plein kadwa. Ça c'est un moun ki pa apprécier ça ou bali. Li pa konn valeur ça ou bali. Son bali pa fait partie intégrante de la vil. M'a réalisé gagné m'pas songé qui année m'té père et papa de l'année, c'est ton grâce m'té prend vraiment bien-aimé tant qu'un encouragement pour m'vinon on papa tout bon parce que m'pensais m'loin toujours. Nous t'ai fait un privilège, nous t'ai relé père de l'année. M'songé ce Julina c'était si m'songé bien en juin 2022 ou 21 et li te recevoyon belle tasse best dad ever. Bien-aimé, pou m di nou la vérité, m pa de jam santi m confortable pou m boire nan tasse la. C'est son gros parole écrit sous tasse la, best dad ever. Meilleur papa qui te ka exister. Mes amis, grosse parole ça, regardez, mettez tasse la en l'air nan bibliothèque mon côté livre moyen parce que m se moun ki reme toujours gen ti livre moyen bon côté. Mettez ta sang sous tête livre moins bon dans bibliothèque moins de temps en temps pour m'a contempler. Il est tellement précieux pour moi le fait que un groupe monde considère ouais dans moi-même y a un potentiel. On dit son potentiel parce que hey, vraiment loin pour monde ça. Yo ouais dans moi au potentiel et yo apprécié. Yo montre que yo apprécié, yo encouragé. Yo dit on connaît oui ça yo dit. On poko là mais yo vle me konnen m ka travay pou m vin papa ça et c'est comme ça m te recevoir taslan best dad ever ou capable vin moun ça que taslan di a mettez le devant yeux m pou m toujours rappeler tête moi I need to work on this moi dwe travay pou sa taslan di de moyen pou le c'est en réalité m vle travay m vle rappeler tête moi que m vle vin papa ça. Bien aimé, bah j'aime boire dans tasse. Bah j'aime boire dans tasse. Demande mon Dieu pardon pour tasse ça t'a crasé. Bah j'aime boire la dans tasse. Ça fait plus que 2 ans là. Avant hier me lever, avant hier me lever, m'a regardé tasse là. Dit oh, femme font Jean. Et bien me décidé depuis quelques jours là, c'est dans tasse me boire petit café, me lever le matin, m'a fait dévotion. C'est dans tasse là me boire petit café. Kouni ala yon nan pi gros problème gen c'est que m peur pou ta san pa krasé bien-aimé. Alors sorti non problème rentre non l'autre. Mais qu'est-ce que ça me voulait dire? Lors recevoir un cadeau précieux, ça qu'arrivé ou pas valoriser son recevoir. Ça qu'arrivé ou traiter le temps qu'on bagaille sans valeur, sans importance. Lors recevoir un cadeau qui gen en pile valeur mon pas considéré ou passer à côté de salité qu'a fait dans ou. Dans exemple taslan, li rappeler que chaque jour me lever, me doit travail pour me vinn papa ça que me doit. Eh bien, le don du salut mes bien-aimés, c'est exactement type de cadeau ça, un cadeau qui gagne valeur, un cadeau qui inestimable, un cadeau qui dépasse tout l'autre cadeau que tu as recevoir. Lors recevoir un cadeau comme ça, tendance là, c'est à traiter comme n'importe cadeau. Tendance là, c'est à traiter comme si m'dadou là,
Mais oui, m'gen le salut et puis après. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul a insisté. L'a dit chrétien Philippiens, on connaît nous ces monde qui obéissant. Mais bon attirer attention nous sous qualité cadeau ça nous recevoir. En Jésus-Christ, le cadeau du salut, le don du salut. Bon insister pour me faire nous travailler sous saluant. Travail sous saluant. Pas quitter cadeau ça. Sorti dans yeux nous, dans vie nous, pas quitter le son bagage lointain. Comportez-nous tant que de monde qui sauvé. Exercez saluant. Saluant son bagage ou recevoir gratuitement. Exercez-le. Comportez-vous tant que monde qui sauvé ou pas n'importe qui monde. Mettez à l'œuvre votre salut. Mettez à l'œuvre votre salut. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais on connaît bien aimé, saluant son bagage qui est tellement profond, l'on va méditer sur le salut. Au fond, ça salut en voulait dire. Salut en voulait dire que bon Dieu accepte nos présences. Waouh! Joue moi-même tout que bon Dieu accepte nos présences. Le Dieu trois fois saint. Le Dieu si élevé. Bon Dieu qui fait ciel la terre. Un Dieu suprême comme ça. Pour lui accepter moi-même insignifiant. Pauvre pécheur, nos présences li. C'est pour bien ça, ça lui en voulait dire, bon Dieu, acceptez-moi. Ça voulait dire, même si tout l'autre monde t'a rejeté, même si tout l'autre monde t'a méprisé, même si tout l'autre monde pas t'a fait cas de moi, le Dieu suprême, acceptez-moi. Soit venu m'enquêter pour vous là. Ça ferme sous parrain même, sous méprisé, sous pas accepter-moi. Moi gagne une acceptation qui vient de haut. On pas n'importe monde. On sorti dans gros rang ou pas contre qui est-ce qui invite me la Kaeli. Le Dieu suprême invite me la Kaeli. Le Dieu suprême accepte me dans présence li. Qui est sou yo même pour penser ta ka mépriser. Ça c'est premier bagaille il fait dans moi le m'a réfléchi sur la profondeur de ce salut, c'est un acte d'acceptation. Li pas accepter me parce que me font bagay, li acceptem et c'est deuxième bagay m'a médité sous li par amour. Li acceptem parce que le remem. Oh, ta le ou vle di m'li remem, moi-même ou le remem. Ou vle di que bon Dieu remem. Mais oui, li remem. La preuve que le remem, li gon seul petit, li voyait le mourir pour moi. Li remem. Comment le faire remem qui ça loue dans moi? Li pa wè rien en moi, li remèm tout simplement, li remèm parce que le remèm. Pa mande m'expliquer l'amour, pa mande m'expliquer pour qui ça, pa mande m'expliquer comment, li remèm parce que le remèm. Et ça pour moi mes bien-aimés dans le Seigneur, pa gen rien qui ka rivaliser à ça, bon Dieu remèm. Kounya là ou met essayer penser ou ka diminuer. Ou met essayer penser qu'a mépriser, ou met essayer penser qu'a rabaisser. Hey, let me tell you something. Jésus remèm. Jésus remèm. Pa konnen non si pa konnen sou nan même dimension avec non. Gen fois le m'a chanté parole cantique Jésus remèm yo. Le m'a rentré dans la profondeur de l'amour de Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tout ça m'a fait, c'est péter en sanglots, c'est pleurs qui a coulé dans les yeux. L'irai même. Joue moi-même tout. L'irai même. Saluant ces deuxièmes bagailles, il dit, Jésus est même, bon Dieu est même. Premier bagaille, il dit, l'y acceptait malgré Jean-Mia. Il pas accepté Jean-Mia non, il accepté malgré Jean-Mia. Ça a son autre petite précision. Il pas accepté Jean-Mia. Il accepté malgré Jean-Mia. Deuxième bagaille, il remet. Troisième bagaille, il voulait dans présence li. Oh, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi.
Par contre, sous j'aime faire expérience au monde qui désagréable. Il y a monde qui désagréable. Peut-être pas sous l'ignan, peut-être pas dans HMBC, mais il y a monde qui désagréable. Il y a monde ou pas qu'à vivre avec, bien-aimé. Il y a monde ça yo. Maintenant, m'a imaginer, m'pa penser gros monde qui pi désagréable passé s'agissant de vivre avec le Seigneur. Bien-aimé, témoignage ça, c'est pas seulement témoignage pam lié, c'est témoignage nous toutes. Nous toutes nous gen ti malice. Nous toutes nous gen ti bagay qui pas chita. Que le Seigneur accepte nous dans présence li. Par contre, sou comprendre profondeur bagay ça. Li accepte nous en présence li, li décide pour le prendre avec li afin que là où il est, nous y soyons aussi. Saluant, c'est ça, je vous l'ai dit. Pas de cadeau qui a plus valeur, passer ça. Travailler à votre salut, c'est comporter autant que le monde qui comprend qui qualité cadeau recevoir. C'est exercer saluant. Travailler à votre salut, c'est faire en sorte que c'est saluant qui formate la vie. Ou. C'est saluant qui formate attitude ou par rapport à l'autre monde, par rapport à monde là. C'est saluant qui formate réponse ou dans circonstance toute qualité. Travailler à votre salut, c'est mettre à l'œuvre votre salut. C'est pas travailler pour sauver, c'est réaliser qui ça cadeau ça représenter et comporter tant qu'un monde qui sauvé. M'a fini d'abord illustration la petite fille de la reine d'Angleterre qui chita vaille que vaille dans cérémonie et puis reine n'en fait une subordonné lui aussi pour aller parler avec petite fille hein. Et puis il relé petite fille on lui dit mais ça qu'a passé ou pas contre qui est souillé chita bien ou pas n'importe qui monde tu es la fille de la reine ou pas qu'a chita n'importe comment conforme ou pas n'importe qui monde. C'est ça mon vie dit au monde à soyant. Hey, tu es sauvé. Ou pas n'importe qui monde. Conformé. Travaille pour montrer qui est souillé. Mettez à l'œuvre votre salut. Tu es accepté. Tu es aimé. Tu es invité dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Oh, mon vie parler au monde à soyant. Levez tête ou. Suspend marcher tête baissée. Suspend marcher tant qu'un monde qui pas gain espérance, qui méprisé. Suspend marcher tant qu'un monde qui pas compte valeur. Tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Travaille à votre salut. Mets à l'œuvre ton salut, mon frère, ma sœur. Le monde gade y a dit ça. Moun sa le bon bagay nan li. Li pas n'importe qui moun. Là ou pensez au ka diminuer yo karabeso. Salut en met au campé parce que oui, tu sais en qui tu as cru. Oui, tu sais en qui tu as cru. La vie, pas qu'à faut oublier qui est souillé. Développe courage. Bon, lis verset encore bien-aimé. Et fois ça m'appelle dans version second 21. M'pas fini parce que il y a un petit bagage pour nous décortiquer dans l'autre partie. Mais peut-être n'a retourner. Bon, lis encore. Ainsi mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse.